Je vais vous présenter un glitch pour obtenir énormément d'argent sur Resident Evil 4. Alors pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin de deux choses. Il vous faudra une partie en mode facile, obligatoirement, sinon la solution ne sera pas optimale. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé une ancienne partie en mode facile. Donc là je suis à la fin du chapitre, donc à la fin de l'histoire. Et ensuite il vous faudra obligatoirement le porte-bonheur Rhinocéros. Donc voilà, celui-ci. Donc si vous ne savez pas comment obtenir le porte-bonheur Scarabée Rhinocéros, je referai une vidéo prochainement que je mettrai en description en commentaire épinglé qui vous expliquera comment vous allez pouvoir débloquer n'importe quel porte-bonheur de votre choix. Donc la solution, l'astuce est assez compliquée, donc je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo. Donc je referai une vidéo prochainement que je mettrai en description en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir si j'ai déjà mis le lien dans les commentaires. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement attacher votre scarabée rhinocéros à votre mallette. Donc moi, il est déjà fait, donc il est déjà attaché. Je vais pas le retirer. Ok. Donc quand vous avez ça, vous allez chez le marchand et là, vous allez vendre tous vos accessoires, tous vos objets de valeur. Vous vendez tout ce que vous voulez pour avoir un maximum d'argent. Ok. Donc quand vous avez sélectionné tous vos objets de valeur, vous les vendez. Voilà, parfait. Et là, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans Acheter et vous allez acheter des sprays de secours en illimité. Donc là, vous pouvez voir que le prix d'achat est de 3 000 et grâce au glitch, on va pouvoir le vendre 10 000. Donc on va faire presque x4 grâce à ce glitch. Alors, quand vous avez plus de place, vous ne pouvez plus en acheter, donc c'est totalement normal. Donc là, vous annulez l'achat, hop, et vous allez sur la machine à écrire et vous allez placer toutes les sprays de secours, vous allez les placer dans votre coffre. Donc c'est un petit peu long à faire, mais ça vaut largement le coup, vous allez voir. Quand vous avez placé tous les sprays dans votre coffre, bah, vous retournez au vendeur et vous rachetez des sprays en illimité pour user tout votre argent. Alors par contre, vous ne pourrez pas placer plus de 1000 sprays, enfin 999 sprays dans votre coffre, parce que là je peux plus en placer, je suis au maximum. Donc là il me reste 800 000 pétasses et avec cet argent qui me reste, je vais m'acheter un lance-roquettes. Donc très important, garder au moins 60 000 de pétasse, donc d'argent, sur votre partie pour pouvoir acheter un lance-roquettes et garder 10 000 en plus pour pouvoir acheter un spray en mode professionnel. Donc là, hop, voilà, moi j'ai assez. Donc là, je vais tout simplement finir le jeu et tuer le boss avec mon roquette parce que le roquette va le one-shot directement. Donc là, hop, je passe la cinématique, je tire, et là, le boss, il est mort. Alors, très important, quand vous avez terminé la partie, il faut absolument sauvegarder. Dès que vous avez sauvegardé, vous allez charger la partie que vous venez de sauvegarder avec vos sprays illimités. Donc, vous allez tout simplement la charger. Et là, vous allez choisir le mode professionnel. Ensuite, quand vous êtes dans votre partie professionnelle, vous allez jusqu'au premier vendeur. Donc franchement, il se trouve tout au début hein, du jeu, il est juste ici, après la maison du chasseur. Donc voilà, vous allez près du vendeur. Et en fait, je croyais qu'il fallait racheter un spray, mais en fait, il ne faut même pas racheter de spray parce que vous ne pouvez pas en acheter. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller dans Vendre. Et là, vous allez vendre tous vos sprays. Hop. Et regardez le nombre d'argent que j'ai. Donc hop, je vends tout. Et là, boum, j'ai 11 000 pétasses, 11 263 000, 11 millions, excusez-moi, j'ai 11 263 000 pétasses, hors que j'avais commencé, enfin au début de la vidéo, j'avais 3 700 000 plus ou moins. Donc j'ai presque fait x4 grâce à ce glitch. Donc grâce à cette technique, vous allez pouvoir quadrupler l'argent que vous avez sur Resident Evil 4.